Bon, c'est reparti pour un tour. Comme vous avez pu voir dans la dernière sortie full en vrai, j'ai le moteur qui a fini par rendre l'âme. Ça commence à bien claquer comme il faut. Bien sûr, je soupçonne ou une bielle ou un coussinet de bielle. Dans tous les cas, quand j'ai fait la vidange, il y avait de la limaille de fer de partout. Ça fait plaisir. Forcément obligé de tout redémonter, donc que ce soit les cardans, la face avant pour pouvoir sortir le moteur. Mais bon, j'ai trouvé un moyen plus rapide pour démonter, ne serait-ce que, bon, le pare-choc, ça a été assez simple, c'est que quelques vis et encore, mais au moins pour démonter tout ce qui est le support des phares, de klaxon et tout ça. Au lieu de démonter chaque pièce une par une, donc comme on peut voir, on peut démonter vraiment l'ensemble complet. Cette partie-là est tenue par les deux vis. Donc une là et une là. Et ces fameuses deux vis sont celle-là et celle-là. Et surtout, ça tient aussi par ces vis-là. Donc ces trois-là et ces trois-là. Et une fois qu'on a enlevé ça, boum, on sort. Et ça, t'as le bloc complet avec les phares qui sort comme ça. Je vous ai pas filmé en détail comment on redémonte tout. De toute façon, j'avais déjà fait des vidéos. C'était mes premières vidéos quand j'ai commencé YouTube. Donc les liens sont par ici. Il y a un truc que j'avais fait avant de commencer les vidéos. J'avais mis un embrayage allégé. Et ça, par contre, j'avais pas filmé. Donc maintenant, on va filmer le démontage de la boîte de vitesse. Comme ça, je pourrais mettre le moteur sur son support moteur pour pouvoir bosser plus tranquillement. Et comme ça, la chèvre me gênera pas. Bon, la petite astuce pour éviter d'intervertir des câbles et de devoir se demander pourquoi. Là au moins, j'ai repéré tous mes câbles. Le câble vert pour le capteur de marche arrière, bah, sur la marche arrière en fait, puisque ça c'est le capteur de marche arrière, mais ça c'est le capteur de point mort. De point mort. Et le plus important aussi, le PMH que j'ai mis en jaune, et normalement je suis bon. On va commencer à enlever les vis qui sont là, il y en a qui sont cachés, voilà, qui sont là, et tout autour, en dessous. Peut-être commencer par en dessous, parce que ça sera peut-être plus simple en fait. Il faut revenir des fois pour réussir. Bon, normalement j'ai enlevé toutes les vis qui maintiennent la boîte de vitesse. Bon, maintenant il va falloir essayer de la retirer. Mais bon, là je vais demander un coup de main au père. Parce que je pense que de mémoire elle est lourde et elle est galère. Ça y est, on a réussi! J'ai acheté des vis chez Bricoman, donc c'est du 10 par 100. Ça rentre parfaitement dans les filetages du moteur, comme ça au moins comme ça, ça passe à travers et je peux installer le moteur dessus. Et sinon les vis sont un peu trop petites, donc il faut au moins du 10 par 100. Bon, allez, j'enlève les vis du volant moteur et normalement après je vais pouvoir installer le moteur sur le support moteur. Bon, voilà, théoriquement maintenant je peux poser le moteur sur son support moteur. Bon, après je ne sais combien de temps à réussir à installer ce foutu support moteur, j'ai enfin réussi à installer les vis. Mais bon, c'était quand même une tannée. Regarde. Là, j'ai été obligé de rajouter un écrou parce que la vis est trop longue. Derrière, ça c'est trop court, je sais pas, ça allait pas jusqu'au bout. Là, j'ai fait passer la vis à travers,
mais j'ai dû mettre un écrou derrière. Là, ici, là, c'est passé bien comme il faut. Et là, pareil, c'était fileté, donc ça s'est bien installé. Là, on va descendre le tout, en espérant qu'il n'y a rien qui tombe. Ça serait dommage. Et avec un peu de chance, il n'y a rien qui va tomber. Je vais pouvoir enlever la chèvre, ça va me faire un peu de place. Et ranger un peu tout mon foutoir, parce que là, c'est un peu difficile de bosser. Bon, ça y est, l'admission est enlevée. Et l'échappement aussi. Si vous voulez revoir comment démonter l'échappement et même l'admission de l'autre côté, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je la mettrai en haut. Pour que vous puissiez aller cliquer dessus. Je suis débile. C'est quand le moteur est retourné que je me rends compte qu'en fait, j'ai deux supports qui sont sur le carter d'huile. Ce qui fait que je vais être obligé d'enlever ces deux vis-là pour pouvoir enlever le carter. Et du coup, le moteur va tenir que sur deux vis. Pour peu que le truc il tombe par terre, il n'y a pas loin. On espère que ça va tenir quand même. Allez, dernière ligne droite, on y est presque avant de voir l'étendue des dégâts. Il est bonjour à la caméra. Salut tout le monde. Donc il y a le grand-père qui nous a rejoint. Bon, t'es prêt? Vas-y. Non, ça va le faire. Il y a le bac qui est en dessous. Voilà. Hop, alors. Normalement, j'ai rien oublié. Toutes les vis sont tombées. En fait, je n'y arriverai pas. Hein. Il faut que tu la décolles. Hein. Ouais. J'ai peut-être oublié des vis aussi. Là, non. Là, non. Là, non. Peut-être lui qui va m'embêter. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que j'ai oublié une vis quelque part? Oui, j'ai oublié des vis. Tiens, regarde. Là. Ah bah voilà. Le truc est en face de moi, mais en fait t'as des trous exprès pour aller les chercher tout au fond. Ah, je suis tellement proche du but que je suis tellement excité à voir ce qu'il y a là-dessous que je vois, il y a des trucs que je vois même plus. Allez, là c'est bon, c'est sûr, c'est les dernières. Après ça sort tout seul. On y est presque. Ça y est, on y est. Moment de vérité. Est-ce que c'est bon cette fois? Hop, voilà. Bizarrement, ça vient tout seul. Oula, il y a des trucs qui tombent là. Et voilà. Ouh là là, il y a des morceaux. Ah, il y a un carter. Oula. Donc le joint. Oh. Oh la vache. Ah ouais, elles ont pris cher. En plus, c'est rentré dans la pompe et tout. Ça veut dire que j'aurais. Oh, j'aurais défoncé la pompe du coup. Oula. Aïe 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 aïe. Bon, je vais enlever ça et on va voir. Ok, celle-là. Hop là. Parfait. Hop, là, encore un morceau qui tombe. Alors. Oh la vache. Oh, oh les morceaux, toi. Par contre, je vois rien. Qu'est-ce qu'il a mangé? On voit bien là, les mailles de fer, là. Et voilà, j'ai démonté tous les paliers pour vérifier. Et la panne vient sur le palier numéro 3. Donc, là, mince, il y a beaucoup de reflets. Ça va être dur à montrer, mais tu vois bien qu'il est bien marqué. La bielle au fond, pareil. La
bien au fond, pareil, elle est un petit peu marquée. On verra mieux. Voilà ce que j'ai trouvé. T'as les coussinets, ils ont fusionné entre eux, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Et le palier, pareil, qui a bien morflé aussi, quoi. Et voilà. Mais bon, j'ai de la chance, c'est que parce que j'en ai qu'un qui a morflé. Les autres, je les ai tous vérifiés, il y a pas de problème. Bon, voilà, ça va être tout pour la vidéo. Ça sera tout pour cette vidéo aussi. Je vais regarder mieux que ça quand même pour voir tout ce qui va pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Moi je continue mon démontage. Et puis j'espère vous montrer la prochaine fois quand je vais monter les coussinets neufs. Et puis voilà. Bon, sur ce, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Yo!